Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette 12e édition du De Grove Petercam Business Day. Nous sommes réunis non seulement pour célébrer ces valeurs, mais aussi pour explorer comment elles peuvent continuer à être notre boussole dans un monde en constante évolution. Une des valeurs de Odoo est sûrement la responsabilité de chaque collaborateur. Ça veut dire agir comme si c'était son propre affaire, son propre business, sa propre activité. Une des valeurs de Burogest, c'est l'évolution. L'évolution guide notre action au quotidien. Et concrètement, par exemple, hier soir, on avait un workshop avec des clients et des partenaires pour réfléchir à l'évolution de leur métier et donc à l'évolution de nos métiers pour les aider dans le futur. Une des valeurs prédominantes chez Coceril, c'est la valeur de la proximité. Chaque personne qui rentre dans l'entreprise, que ce soit un client, un fournisseur, un nouveau collaborateur, va vraiment rentrer dans cette famille Coceril. Les valeurs de l'entreprise sont essentielles car c'est vraiment le lien, le ciment, le fil conducteur, les comportements attendus de nos collaborateurs vis-à-vis de notre écosystème, nos clients, nos fournisseurs et les gens qui nous aident au quotidien. La durabilité chez IFARM, ça fait un peu partie de l'ADN du projet de la société. Donc on ne pourrait pas imaginer vendre un produit non durable ou pas être durable dans notre façon de travailler. Donc ça fait partie de nous, donc c'est notre définition, je dirais. Donc notre conviction, c'est qu'au XXIe siècle, il faut donner du sens à sa vie, du sens à sa manière de consommer, du sens dans son travail. Nous, ce qu'on veut par rapport aux consommateurs, par exemple, c'est donner du sens au goût. Donc au-delà de croquer dans un chocolat pour se faire plaisir, c'est de croquer dans un chocolat pour un monde meilleur. Une valeur de mon entreprise, c'est le travail ensemble. Et donc ce que nous faisons, c'est des groupes de travail dans lesquels chacun a le même rôle et le même droit à la parole. Et on porte énormément d'attention au fait que les gens puissent parler franchement et puissent faire des propositions sans que ça leur soit, sans qu'il y ait de commentaires négatifs à propos de celle-là. Il y a une phrase de John Lennon que j'aime beaucoup qui dit que tout ira bien à la fin. Et si ça ne va pas encore bien, c'est que ce n'est pas encore la fin. Avoir cette vision optimiste des choses m'inspire au quotidien. Il y a plusieurs devises qui m'inspirent au quotidien. Ce qui est beau, c'est qu'on ne peut pas tirer sur les fans des carottes pour les faire pousser. Et donc on ne peut pas forcer l'humain à évoluer. Il faut lui laisser le temps de se transformer.